Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène sur le mythique Trail des Calanques pour la réalisation du clip officiel et aussi d'un reportage que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Marseille Provence Productions. Donc je suis aussi avec Julien qui lui va filmer le 44 km. Donc où vas-tu te positionner ce matin? Ce matin, un petit 360 sur le Mont Puget a priori et ensuite j'attendrai les premiers sur la Candelle, la Grande Candelle. Pour cette 36e édition, les parcours ont été entièrement modifiés. Il y a désormais 3 parcours, 58 km, 43 km et 17 km. Tous au départ de Lumigny et une arrivée au parc Pastret. L'armée rouge a défilé dans ma tête. Je leur ai fait monter de l'aspirine. Ils ont quand même fait leurs 8 heures comme des bêtes. Me v'là mouillé dans une drôle de combine. Le vent m'apporte des odeurs de frites. Tout le monde me reconnaît dans la rue. J'ai la boule coincée dans mon flipper. Il manquerait plus qu'un oiseau me chie dessus. T'en fais plus, c'est pas la fin du monde. D'autres fous passeront sous les ponts. Et la nature que ce soleil inonde nous rechante chaque fois sa chanson. 9 mois. C'est toujours là, les deux, vous faites le parcours? Ouais. Comme d'hab. En forme? Oui, ça va. Le premier départ est à 5h du matin. Les coureurs vont s'élancer sur le parcours expert 58 km avec 3000 de dénivelé positif. Et je suis avec Christophe qui va faire le parcours. Il a accepté de faire quelques prises sur les 30 premiers kilomètres tout en faisant sa course. Merci beaucoup Christophe. Allez, allez. 4, 3, 2, 1, go! Bonne course, amusez-vous bien. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes au 6e kilomètre. Il y a le premier ravito. Normalement, on ne s'arrête pas. Mais voilà, un petit coucou bénévole. Coucou. Voilà. Bon courage. Merci beaucoup à vous aussi. Allez, bonne course. Au revoir. Au revoir. Bonjour. 11e kilomètre. Tout va bien jusqu'à la partie assez roulante. Non, c'est pas encore le plus dur. Voilà, ravito 2. Ravito 2, coucou. Bonjour. Voilà. On est pratiquement au 15e kilomètre, le ravito 2. Ça va, pas trop froid? Non, ça va. Allez. 5 minutes des premiers. Allez, c'est cool, merci. Allez. Merci, bonne journée. Et bon courage. Merci. Voilà, c'est reparti. Je ne m'arrête jamais au ravito en fait. Quand ça commence à être du long, c'est-à-dire quand ça sera le 27e, 30e kilomètre. Voilà. Mais sinon, tout va bien. C'est du FCI, donc c'est assez roulant. Il y a quelques montées, mais tout se passe très très bien. Il y a de bons coureurs, c'est une bonne ambiance. On arrive quand même à discuter. C'est cool. Voilà. Ah, regardez-moi ça. Le paysage au loin là, c'est beau, non? Il n'y a personne. Le jour se lève. Voyons s'il y a l'heure en face. 10,
Ça va, pas trop froid? Ah bah non, ça va. Ouais. Ça va, il fait bon aujourd'hui. Ouais, hein. Ouais, et toi, ça va? Ouais, ça va, ça va. Bah super, ils sont... C'est pour le film, c'est pour le truc des calanques que je filme. C'est super. Voilà. Ils sont devant toi, là, ils sont à 7 minutes. Ouais, ça va, ok, ok. Voilà. C'est cool, merci. Bah, c'est cool. Et bonne journée, hein. Bah, hein toi. C'est gentil, merci. Bravo. Allez, bon courage. Bonjour. Bonjour. On a les supporters, voilà. Bonjour. Ça va, pas trop froid? Ça va, ça va. Ouais. Ouais, ouais. Allez, c'est cool. Bonne journée. À vous aussi. À 7h, ce sera le deuxième départ. Les coureurs se préparent pour le parcours élite à 43 km avec 2500 de dénivelé positif. T'es oui. Sur ton terrain de jeu? Un peu, ouais. Ouais. Un peu, hein. Un peu quand même. Bon, hein. Bah, du coup, podium? Podium, ouais, si on commence par la fin. Comme je disais, j'ai déjà 20 bornes dans les jambes cette nuit, 1000 des plus, donc ouais, non, ça va pas être parce que tu as balisé une partie du 44. Ouais, j'ai balisé une partie du 44. Ouais. J'ai fait toute la partie depuis le col de Sugiton jusqu'à l'Estrée. L'Estrée est retour par le col de la Candelle et ici. Quoi. Pierre-Hugo Romain, que tu connais peut-être, est déçu de pas venir se fighter avec toi aujourd'hui. Ah, mince, d'accord. Parce que c'est un peu son terrain de jeu aussi. Ah, ouais, ouais, okay. Sur l'ancien parcours, c'est lui qui a le record. Bah, je lis mon papier là parce que je suis trop fatiguée, je sais plus ce que je dois vous dire. Bon, j'espère que tout le monde va bien déjà. Oui. 3, 4, allez 2, 1. Le premier ? Ouais. Oh putain. Bon courage. Et ben voilà, c'est beau. Allez, bravo. Bonjour, allez, bravo. Bravo! Caroline, Serfil sur le 44 km. On va avoir une journée magnifique là, il y a déjà toutes les couleurs roses là. C'est, voilà. Ça va être extra. Donc tu vas aider mentalement? Oui, les Sylvains, moralement, là, du coup, qui va tout doucement, c'est son premier long. Oui. Il a jamais fait beaucoup de longues distances donc je vais l'aider à aller jusqu'au maximum. D'accord. Voilà Sylvain! Il est là. Salut, ah, c'est moi. Ah oui. Caroline me parlait de toi. Ah, c'est gentil. Premier long trail. Exactement, premier long trail et sûrement le dernier d'ailleurs. Donc, tu voilà. T'attaques à quelque chose de très technique là. Oui, mais, oui, je sais. Mais très bon. Ouais, j'espère que ça va être bien. Ça fait du plaisir. Ouais. Donc, toi, t'as du mérite de te courir avec ta caméra comme ça. Ouais, j'ai l'habitude. Chou. Pratiquement en 24ème kilomètre. En 2h30 de course. Ça va, tout va bien, tout se passe très bien. Allez, le jour va se lever, on va pouvoir couper les frontales. Ok, voilà.
Bonjour. 390. Merci, ça va, pas trop froid? Il fait pas trop. Allez, bon courage. Bonjour. Ouais. Voilà, là mon signaleur qui m'accompagne. Ah ouais, sur royalement sur 100 mètres. Ouais. Allez, c'est cool, merci beaucoup. C'est à mi-course, là, kilomètre 30. Allez, parfait, merci. Ah, cool. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Ah ouais, c'est bien. Bon courage. Aussi, merci. Merci, au revoir. Voilà, on bifure. Allez, en route vers la Candelle. Ça va grimper, on est pratiquement 29e kilomètre. Voilà, j'ai 3 heures de course. Salut tout le monde, eh bien on se retrouve au col de la Candelle. On attend les premiers coureurs du 60 km. Et donc je suis avec Jacques et Sonia qui se sont levés aux aurores, comme nous, comme moi, pour profiter de ce magnifique soleil et accueillir les premiers coureurs à ce col de la Candelle. Le premier du 60 qui vient de passer. Du 40 que j'ai failli rater. Salut. Super. Salut. On a les deux parcours. Salut. Qu'on vient de pas nous dire que les calanques, c'est pour les touristes, n'est-ce pas? Salut. Et toi? La vie est belle. Oui. Merci d'être là. Allez, bonne descente. Alors là, je suis en train de suivre Michael qui s'amuse au niveau de la falaise des toits avant d'arriver au ravito. Voilà. Un bien beau point de vue. C'est bon, magnifique passage. Et Michael agrémente sa descente de quelques sifflements. Voilà, qui montre sa bonne humeur et qu'il apprécie ce magnifique parcours. C'est super. Après, tu bascules dessous et tu remontes en face, sur ta gauche, après. On va passer en face, là-bas, tac, pour monter là.
Donc c'est loin d'être fini. Salut. Vous êtes prêts pour la remontée, les garçons? Vas-y, vas-y, je filme. Vous êtes prêts pour la remontée? Ah oui. Ah, ça va piquer, ça. Elle va piquer, celle-là. Oh! Ah, messieurs, vous tombez au bon moment, hein. Allez. Alors, est-ce que ça vous dérange pas? Je passe en premier, je vous filme d'en haut. Dernière montée avant le prochain ravito. Elle m'appelle le chou. C'est l'effet du bonnet, ça. Mais vous ne courez pas, vous n'avez pas de... Non, moi je suis le caméraman officiel. Ah, c'est vrai? C'est ça. Ah, je savais pas. Ouais. Et comme toujours avec le club alpin français, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Donc, ouais. Petite corde. La pauvre, il y a une randonneuse. C'est vous la randonneuse? Ouais. C'est vous? Ah. Allez-y. Non, hein, ça va. Non, allez-y. Donc là, on a la première féminine qui arrive à 1 km du ravito. 9h39, première féminine. Bravo, au top. Bravo. Messieurs, hein, vous déméritez pas non plus. Hein, bravo Jean-Louis. Bravo. Un quart d'heure du ravito. Vous êtes au 36 et le ravito il est au 37 et quelques. Je pense, ouais. 36, 39. Ah mais non, mais vous êtes sur l'autre parcours. Ouais, pardon. Parce qu'il y a le 44 et le 60. Bravo. Bravo. La dame, elle est sur le 36. Ah, et Claire, super. Le genou, ça va? Oui, ça va. Ouais. Bon. Première féminine, bravo. Super. C'est par là, Claire. Bravo. Merci. Bravo, voilà. Bonne journée, bonne course. Ah, bravo. Salut. Salut. Regardez-moi ça. Bonjour tout le monde. Bonjour tout seul. Bonjour les bénévoles. Oui. Ça va? Merci. Ouais. Alors, on attend l'ambiance avec le ukulélé. Ah, je ne l'ai pas vu, hein, il est derrière, mais il ne va pas tarder. C'est vrai. T'es gourde là. Tu veux boire? J'ai le temps, moi. Je suis caméraman, j'ai oui, pas la cour. T'en faut, mais tu peux boire quand même. Oui, merci. Bon, on est où là, au fait? À Morgiou. Le ravito de Morgiou. Le numéro okay. 3, le plus dynamique. Ah. Oh tiens, une connaissance. Ça va Eric? Merci. Merci Stéphane, à toi aussi. Yes. Ah, une féminine qui est en train d'arriver juste là. Et tout à l'heure, nous étions du côté de la Grande Candelle et du col de la Candelle. Donc nous sommes descendus de là-haut. Bravo! Merci. Deuxième fille qui passe, hein, mais bravo. Hein. Encore 20 km en bas. Ouais, ça va aller. Thank you.
calanque de Sormiou. Ici, on arrive. Vue magnifique. Il est 9h, maintenant c'est le départ du parcours sport, 17 km avec un dénivelé positif d'environ 900 mètres. Voilà, les élites de ces 17 km sont là. Oui, 17 km pour moi c'est de l'élitisme. Donc une heure et quart à peu près. Un tout petit peu plus. Tu crois qu'il va tomber? Je sais pas, mais je fais tout pour. Ah ouais, c'est... Oh, toi aussi tu fais la course? Ouais, ouais, faire la course. Vous avez l'air un peu plus réveillé que les départs d'avant, hein. Alors bon, moi par contre je suis pas plus réveillé, donc je vais essayer de vous donner toutes les infos. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, bravo, bravo! Ouais, mais c'est ça, de toute façon il y a toujours des petites rallonges. Bon, on est là pour ça. Bien sûr, on est pas un kilomètre près, hein. Allez, bravo. Yeah. Bravo les gars. Bravo madame. Allez, à gauche, hein, là-bas, tout sur le sentier. Les coureurs du 43 km et du 60 km passent par en bas, comme vous l'avez vu avec Julien. On est arrivé là ? Bientôt, comme toi, j'arrive juste en bas de la descente. Ouh ! Un petit geste. Parfait, merci. Parfait. Il fait chaud. Il fait chaud. Par rapport à ce matin. Ah oui, certainement que vous avez dû avoir plus froid là, ce matin. Alors qu'est-ce qu'il y a au ravitaillement? Voilà. Voilà, du sucré, du salé. Il y a de tout. De l'eau, des boissons. Alors ça se bat là, les deux femmes elles se battent là. C'est le duel. De l'eau, voilà. Des boissons. Ouais. Sucré, salé. Un peu de coca là-dedans s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Du coca s'il vous plaît. Du coca. Tu vois bien? Ouais. C'est facile dur. Non, c'est dur. C'est dur? Ouais. Elisabeth. Donc, on connaît le massif, hein. Je filme les plus beaux profils. Ils transpirent pas, ils sont magnifiques. Gain de temps, il boit et il fait la course. Efficacité. Bravo. C'est bon. 111. Alors ici on contrôle, c'est ça? C'est ça. Exactement. On c'est mange ça. Un petit peu aussi. Mais on contrôle et on oriente. Ça va, les coureurs sont sympas? Ça va. Ils vous disent merci quand même?
Ouais, ouais, ouais. Ils sont vraiment bien essoufflés. Il y en a qui essayent de dire merci, mais. C'est un peu difficile de parler. Il y en a qui y vont. Ouais. Le premier, il envoie. Ouais. Dans les 2-3 premiers qui sont passés, il y avait un qui faisait le 60 km. Ah bon ? Ouais. Déjà ? Déjà. Ouais. Ils vont voir leur photo dans pas longtemps en plus. Voilà, ici, col de Cortiou. Contrôle des dossards. Bravo ! Bravo, attention ! La vidéo, la photo, il y a tout là. Non, on peut s'arrêter là. Le photographe, il devrait pas être loin, je pense. Je sais pas où il s'est mis. Ça va. Allez, bravo. Bravo. Attention, je passe. Il y a une caméra devant, c'est qu'on est sur le bon chemin. C'est ça. Parfait. Sauf si je me trompe. Un petit geste à la caméra. Parfait. Merci, c'est trop beau et la météo au top. Ah. Voilà. Là, on voit les coureurs sur le sentier là-bas. Et ils arrivent de là. C'est là qu'on jette. Voilà. Si tu veux aller plus vite, tu sautes. On est bien avec cette belle météo. Je cours derrière un zèbre. Bon, les zèbres, ça va vite, hein, normalement. Allez, bravo. Allez, en haut, ça, à droite. Hein. Bravo.
Ah, ils sont bien. Quand il n'y a pas les nuages. Ils sont bien, les bénévoles ici. Hein. On a porté nos chaises jusqu'ici quand même. Voilà. Il n'y a plus qu'à aller là-haut. Voilà. Hein ? On se régale ce pays. Ah ouais. Un peu. C'est beau. C'est un peu technique, hein ? Ah, c'est un peu technique. Ouais. Un peu plus que par chez nous, mais... C'est magnifique, ouais. Ici, il contrôle les deux sorts. C'est ça. Il pointe. On est bien là. Oh là là. Ah bah non, c'est là. Allez, bravo. Voilà, le sentier est là, donc il monte un peu en zigzag. Et maintenant, direction la croix de Marseille Vert, qui est là et qui nous attend. Allez, les élites là, allez. Ça manque pas beaucoup. Bon, ici, c'est donc c'est Marseille Vert et c'est le croisement des parcours. Donc ouais. 43 km et 60 partent par là. Et le 17 par là-bas. Voilà. Et donc Julien va prendre la suite au ravito en bas sur le sentier du président. Et on lui souhaite bon courage. Super. Et non, il y en a encore. On n'arrive plus à compter. Au début, on comptait, mais là, on n'arrive plus. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va. Ça va, messieurs? Ça va. Là. Proche de l'arrivée. Ouais. Ça va encore mieux. Allez, super. Donc là, nous avons les goudes. Et nous sommes donc dans les derniers kilomètres de ces deux boucles de 59 et de 44 km. Le 17 a basculé depuis Marseille Vert directement sur Pastré. Ça va ? Alors, entre vous qui faites le bronzage et vos collègues tout à l'heure qui étaient en train de faire saucisson bière, je trouve qu'on est bien au club alpin français. En tout cas, merci, hein. C'est un super parcours. Merci. À plus tard. Tête à droite, c'est bien. Je m'en voudrais de vous envoyer ailleurs, les gars. Ce serait con, hein, 4 km de l'arrivée, 4-5 km de l'arrivée. Oui, j'aurais pu rigoler un peu, vous laisser partir jardiner et vous appeler. Mais bon, c'est pas l'esprit, hein. C'est pas l'esprit trail. Avec ce que vous venez de manger là, hein? Ouais. C'est bon, hein? C'est bien de finir là-dessus. Ouais. Allez, là vous avez encore une petite montée et après c'est vallonné. Il n'y a pas trop de coups de cul. Bon. Hein, les gars? Merci. Salut. Allez. Ah. Bravo Julien. Et merci. Je m'appelle Julien aussi, me congratule également du coup. Bravo, super, hein, c'est top. T'es au bout là. Ouais, ok, c'est sympa. Ça y est, il reste pas grand chose. Merci. Il reste pas grand chose. Cool, là ça part à droite. À droite. Voilà, là-bas. Ça va? Ah nickel. Ah super. Allez, t'es au bout. Eh oui. Merci, hein. Je t'en prie. Un plaisir. Ah bon, on est en moto.
Je vous prends, vous ? Non. Mais bien sûr que oui. Je plaisante. Il faut vous remercier pour le travail que vous faites. Non. Vous êtes là pour nous. Je suis d'ailleurs très ennuyée parce que je devais rejoindre, comment dirais-je, compléter quelqu'un qui est venu à ce matin et je ne l'ai pas trouvé. Ah ouais, j'ai mes petits secrets. Ouais. J'ai mes petits secrets. Je te raconterai. Bon, comme ça ? Vas-y. Ouais, avec le cri. Ouais ! Parfait, merci. T'es la star du clip là. J'attendais que ça. Filmer sous les jupes, c'est l'endroit parfait. On vient même le poignet, ils ont tout mis. Ah ouais, c'est trop fort, moi je dis, t'es trop fort. Tu facilites tout. Hein. Ça pour la photo. Félicitations, c'est la fin. 1, 2, 3. Ouais. Allez, bonne dernière descente. On part, là ? Ben là, il faut descendre ici, là, direct. Ouais, hein. Ah mais c'est costaud la descente. Ah c'est bon. Le chemin. C'est roulant quand même. Ouais, super roulant. Vas-y, lève les bras. Hop. Parfait. Allez, super, bravo. Voilà, pour la vidéo, comme ça j'ai le club alpin. J'attendais quelqu'un là, bravo. Check, ça va. En face de la caméra, Zakier, Solène et David. Donc les femmes étaient sur le 17 km et David sur le 60. Donc la parole d'abord aux femmes. Un petit mot sur le parcours. Magnifique, superbe parcours. Bon, nous on connaît déjà un peu les calanques, mais là il était vraiment splendide. En plus on a eu un super temps, voilà. Pareil, super organisation, météo magnifique, parcours magnifique, rien à dire. Repas. Merci. Délicieux à la fin, le repas c'était la tuerie. La bière. La bière aussi. Et le 60 km technique, des beaux paysages aussi ? Ouais, magnifique. Je suis content de l'avoir fait pour le lever de soleil derrière le Cap Canaille. Incroyable. Ouais. Et par contre, je me suis fait un peu piégé sur les 30 premiers kilomètres qui sont un peu roulants. Du coup, on a un peu bombardé et tu le payes après, quoi. Mais bon, je suis content d'avoir terminé. C'est au top. Allez, bravo à vous trois et à l'année prochaine, peut-être. Ouais.